Salut à tous, salut à toutes, c'est DRK36 pour la suite du Let's Play sur The Witcher 3. Alors, je sais pas, j'ai chopé une nouvelle armure qui est pas mal pour mon niveau, on va dire. Mais j'ai l'impression d'être un gros souillon et puis qu'il a pris 20 kilos, notre ami Geralt, là. Enfin bref, j'ai pas réussi à pexer jusqu'au niveau 3, là, j'y suis presque. J'ai pris plusieurs petites quêtes qu'il y avait ici. D'ailleurs, pour finir, je les ai toutes prises et pour une raison que je m'explique pas vraiment, j'ai pas les quêtes secondaires. Là, j'ai une chasse au trésor, mais qui est un peu difficile pour moi, là, niveau 6, conseillé. Et puis, là, les quêtes principales avec le griffon, hein, qu'on va aller se taper maintenant, vous inquiétez pas. Et puis, la suite de la quête principale à la recherche de Yennefer. Mais pour avancer dans la quête principale, il faut que je termine cette histoire de griffon. Et pourquoi j'ai pas les autres quêtes, j'en sais rien. Bon. Allez, peut-être que je me dirige vers un autre joli fail, mais c'est pas grave. Il est grand là-bas dans le fond. J'appelle mon petit cheval et puis on va gentiment se diriger vers le point principal de la quête. Il est où? Il s'est encore. Voilà. Il est pas dans une barrière, Ablette. Voilà. Hop là. J'ai aussi pris des nouvelles épées. Enfin, je vais vous montrer tout ça dès qu'on arrive dans la zone. Je me demande si je pourrais pas faire le voyage rapide en fait. C'est loin ou pas? Non, c'est pas loin du tout, c'est juste à côté. J'en profite pour vous montrer. Ah, j'ai toujours un point disponible que je pourrais utiliser maintenant. J'y ai pas vraiment réfléchi. Mémoire musculaire, attaque rapide. Vos attaques rapides infligent 5 points de dégâts supplémentaires. Ok, un peu d'adrénaline. J'avais mis un point pour que les attaques puissantes infligent plus de dégâts. J'ai encore dévié les flèches en parant. Bon, je pars déjà pas les coups d'épée normaux. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Arbalète, j'en ai pas encore. 20% d'adrénaline, ok. Tout ça, c'est pour le combat. Pour les signes, je pourrais booster quelque chose. La portée du signe hard. Ah, je sais même plus ce qu'il fait le signe hard. C'est le télékinétique. Tac tac tac. Ah oui, Igni, je l'utilise de plus en plus. Et là, ça foutrait en l'air leur armure. Ouais, ça me dit bien ça. Signe d'Irden augmente la durée des signes de 5 secondes. Signe alternatif. Nombre de pièges du mode signe standard. Regain de vigueur en combat plus 5. Ouais, c'est pas mal si la durée des signes est augmentée de 5 secondes. Lorsque votre bouclier de Quen est détruit, son explosion repousse les ennemis. Ouais. La cible n'avance pas vers vous lorsque vous lancez le signe d'Axie. De plus, l'efficacité d'Axie pendant les dialogues augmente. Ah oui, ça c'est l'Obi-Wan Kenobi. J'ai envie d'augmenter la durée des signes de 5 secondes. Allez, on va investir là-dedans. Voilà, j'appuie, il se passe rien. Qu'est-ce que j'ai encore foiré? Ah oui, il faut que j'appuie sur X. Je me suis gouré de boutons. C'est tout bon. Bon. J'ai plus de points disponibles, alors on va se casser. Mais j'étais parti comme d'habitude pour vous montrer un truc et j'ai oublié. Ah oui, l'inventaire. Donc là, j'ai bon, cette épée, je vous l'ai déjà montrée. Celle en argent fait quand même beaucoup plus de dégâts et c'est plus fort contre les ghouls. Là, j'ai ma super nouvelle armure, des gantelets et puis un pantalon. Là, j'ai de l'eau en réserve pour la vie et puis un peu de miel également. Et là, j'ai encore du fric. Voilà, les orins ou orines. Et je peux les changer contre des couronnes à la banque de Vivaldi. Je sais pas combien ça représente. 60. 60. Comment il s'appelle? Orines. On verra bien. Ok. Et puis un peu d'artisanat, du stuff. Enfin, on s'en fout. On va laisser. Ouh, pardon. Je vais pas foncer dessus. Le griffon, merde, c'est par là, à gauche. Du nerf, Ablette. Ok. C'est les paysans qui travaillent. Bah, c'est ici que je dois aller. La bête de Blanchefleur, Vesemir. J'avais déjà vu Vesemir. Non. Ah, bah, il est là. J'ai cru que c'était un paysan qui récoltait des trucs. Oh, putain. Un ruisseau, des champs de blé. Quel endroit charmant. Idéal pour une embuscade. Tu as affaire à un expert. Alors, on y va. Ouais. Allons-y, le vent est favorable.
Le griffon n'aura aucun mal à sentir l'appât. Et maintenant, il ne reste plus qu'à attendre. Viens, on va se cacher à l'ombre de ces bouleaux. Dis-moi, une fois qu'on aura trouvé Yennefer, tu vas faire quoi? Tu as un contrat en vue? Non. Je vais rentrer à Kaer Morhen. C'est un peu tôt pour hiberner, non? La neige tarde à venir, je sais. Et justement, ça m'inquiète. L'armée du Nilfgaard a traversé le Pontar à l'est. Elle est à une semaine de marche de Kaer Morhen. Si elle atteint la vallée avant les premières neiges... Enfin bref, il va falloir masquer les traces de notre passage. En parlant d'hiver et d'hibernation, tu comptes venir cette année? Peut-être. Avec une invitée, j'espère. Bon. Donc on a fourré un mouton avec de l'herbe. Et là, putain. Pour ça, il est tout proche. Allons l'accueillir comme il se doit. Ça va, yesh. Ah, bah voilà. Une arbalète? Je l'ai gagné au cartes en t'attendant. Ça pourrait te servir. Un sorceleur avec une arbalète. Ce n'est pas un peu contraire à la tradition? Oh, ça va. On a un griffon à tuer, je te rappelle. Ouais, ça on va voir. Pas dit. Alors, attendez. Merde. Voilà. J'ai encore paniqué. Comment on utilise l'arbalète et quel signe? Ah, je sais plus quoi utiliser. Il faut cette... Le feu? Non, la télékinésie. Casse-toi! Comment j'utilise l'arbalète? Comment je l'utilise? Ah, ça met le jeu un peu haut, ça. Ah, c'est déjà un peu plus agréable. Inventaire. Parce que là, au moins, c'est écrit. Je sais pas avec la manette comment je l'utilise, cette putain d'arbalète. Apparemment, c'est important s'il nous la file maintenant. Je pense que c'est pas pour rien. Que faire? Ah, chiotte. Allez, télékinésie! Dans ta gueule! Oui, il me fait mal là. Ne touche pas! Ah! Télékinésie! Ah, j'ai pris du miel, de l'eau. Télékinésie! Ah merde, il est pas rechargé, je suis con. Cette arbalète à la con, je l'utilise comment? C'est la l'audiachette? Non. J'ai pas réussi à l'éviter! Je lui ai quasiment rien fait. Ah! En tout cas, quand je lui ai balancé le truc télékinétique en volant, ça l'a fait tomber, il me semble. Bouffe du miel. Là, je lui fais un peu mal. Casse-toi, voilà, bien. Je vais essayer de lui rebalancer un truc télékinétique, enfin une charge télékinétique, une attaque. Oui, ça marchait. Enfin, je crois. Ouais, je lui ai fait un peu mal. Télékinésie dans ta gueule. Alors... L'arbalète... Ah, c'est là? Comment je
J'arrive pas à utiliser l'arbalète. Mais il s'enfuit. Arme à distance légère. Sélectionner. Ah merde, c'était comme ça. Il s'est cassé. Il va revenir ou pas? Tuer le griffon. J'ai toujours l'objet. Ah mais je dois me déplacer. Viens là, canasson. On va le poursuivre. C'est bien, Ablette. Donc il y a un point d'objectif qui est beaucoup plus loin maintenant. On va au moulin. Ah oui, j'étais déjà passé là. Putain, il est où ce con? Mais où est-ce qu'il se planque? Ah, il est là. Oh oui, je l'ai eu. Putain, les kinésites en ta gueule! Ah là, je lui ai mis une bonne série. Mais là, il va m'en mettre une. Il va m'en mettre une. Pousse, là, j'ai pris une bouffe. Ah là là, j'aurais peut-être. Ah mais merde! Je suis au point là. C'est l'autre épée en plus. Ouh, ce que j'ai pris. Télékinésie, allez! Ah, juste au dernier moment. Voilà, allez. Est-ce que j'arrive à l'achever? Non, c'était trop gourmand ça. Allez, non, moi j'ai pas rechargé la télékinésie. Ce putain de cooldown de merde. Oh putain. Bon, allez, et je le finis. Ouf. Bon, il y a eu du pas mal. Il y a eu du pas mal. J'ai un peu paniqué plusieurs fois, mais. Oh putain. Pas mal. Pas ouais, mal. Exactement. Tu as encore quelques points à travailler, cela dit. Ouais, je te fais pas dire. Ouais, par exemple, quoi. Par exemple, ton attaque verticale, on la voit venir de loin. Mais bon, on verra ça plus tard. Apporte la tête du griffon aux escadrons noirs, moi je vais préparer les chevaux. On se retrouve à l'auberge. Ah, ça fait plaisir. Alors, on va se bouffer une pomme hein, pour fêter ça. Et puis là, il n'y a rien à looter. Supervision. Non, que dalle. Prélever un trophée sur le corps du griffon. Puis je fais ça comment? Je prends l'épée. Non. Mais comment je peux prélever? Voilà, je cueille du pissenlit. Même avec ma super vue, là, y a rien qui se passe. Ils sont marrants. Ouais, faut peut-être que je rengaine. Est-ce que j'ai un objet de quête qui me permet de... Oui, il m'explique ici, prélever un trophée. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Pour les quêtes, c'est quoi? C'est objet de quête. Non, j'ai une lettre du sorceleur pour l'école de la vipère. Ça, c'est pour une quête secondaire, la chasse au trésor. Ah, non, c'est ici. Je suis con, putain. Poussière imprégnée de la viande crue, cerveau de monstre, mutagène de griffon, trophée de griffon. Bon, voilà, je me suis pris la tête pour rien. Magnifique. Donc, je vais aller voir les nymphes gardiens. Est-ce qu'il y a moyen de voyager rapidement? Oui, juste derrière moi. Et puis je dois aller... Bah, c'est pas très loin, mais bon. Alors, on descend du cheval. C'était donc là derrière. Voilà, la pancarte est là. Et voilà, boum. Heure ne vibrera pas jusqu'à
Salut. Ouais, d'accord, ok. Tac, tac, tac. Pourquoi il y a des petits points rouges? Ah ouais, ils étaient pas très cool, je crois. Ouais, bah, il faut que je rentre. Bon, bah voilà. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Du seigle. Non mais tu crois que je suis aveugle? Ça va être Cloug. Stupide peut-être? Ces grâces sont pourries. J'en savais rien. Bordel, vous n'apprendrez donc jamais. Code militaire, article 2, alinéa 3. Pour la livraison de marchandises avariées, 15 coups de fouet. Exécution! Non! Par les dieux, pitié! Ça déconne pas. Quoi? Ouais. Je vois que vous avez fini de jouer les protecteurs. Je ne jouais pas. J'ai tendu la main à ces gens. Et ils ont craché dessus. Peut-être parce que cette même main avait tué leurs proches. Ah, un moraliste. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Je ne serai jamais à votre place. Et qu'est-ce qui vous amène? Tiens, Merteuil. J'ai fait ce que j'avais à faire. À votre tour, maintenant. Où est parti Yennefer? À Vizima. Depuis tout ce temps, elle était à une journée d'ici, juste sous mon nez. Vous auriez pu me le dire. J'aurais pu, oui. Mais vous n'auriez pas tué le griffon. On n'a rien sans rien. Culé. Attendez. Attendez. Tenez. Voici votre or. Je ne voudrais pas que vous pensiez que je vous ai floué. Allez. Putain. Sans, je vais le regretter. Niveau 3. Yeah. Alors. Ça veut dire que peut-être. Je peux augmenter. Mes compétences. Voilà. Oui, un point en plus. Donc. À part le combat, qu'est-ce qu'il y a? Les signes. On a l'alchimie. Et les techniques. Tiens, techniques. Le jour, votre vitalité se régénère de 10 points supplémentaires par seconde en dehors des combats. La nuit, votre vigueur se régénère 1 point supplémentaire par seconde pendant les combats. Intéressant. Augmente de 500 points la vitalité maximum. Chaque pièce d'armure légère augmente de 25% les dégâts de vos coups critiques. Chaque pièce d'armure intermédiaire. Intéressant tout ça. Bon, ça, armure lourde. Augmente de 30 points le niveau d'intoxication maximum. Le niveau d'adrénaline augmente les dégâts des armes et l'intensité des signes. Ça peut être pas mal. Cette adrénaline, ça m'a l'air pas mal. Bon, alchimie, je sais vraiment rien foutre non plus. Ouais, là, ça serait quand même pas mal que je puisse prendre des potions. Allez, on va se prendre ça. Quoi, je peux pas? Pourquoi je peux pas? Un point disponible permet de... Je comprends pas pourquoi je peux pas prendre. J'ai un point disponible. Bizarre. Peut-être ouvrir, non? Statistiques du joueur. Je comprends pas. Pourquoi il n'y a pas moyen? Bon, on verra ça un tout petit peu plus tard. Donc, qu'est-ce que je dois faire? Préparez-vous à quitter Blanchefleur avec Vesemir. Donc, après toutes ces années, Yennefer avait enfin pris contact avec Geralt. Ça, oui, c'est la même chose que d'habitude. Bon, bah alors on va partir. Hein. C'est vrai que c'est un petit peu bouseux par là. C'est bon. Non. Moi, je vais... Non. D'ailleurs, est-ce qu'il y a des trucs intéressants par là. Je peux faucher ça? Pâte alchimique. Mince. Merde. Excusez-moi les gars, je voulais pas.
mais... Ah bon, bah voilà. Je croyais que c'était autorisé, moi. Putain de merde. Bon. J'ai perdu de l'argent. Bon, bah ça m'apprendra, je sais que... On pourra pas meuler comme ça. Je me suis fait tellement jeter comme un malpropre. Oh putain. Bon, on va pas trop traîner par là, du coup. Je vais éviter de fouiller. Voilà, c'est par là. Ils ont fini de le fouetter. Ah non. Oh putain. Oui, il fallait descendre par là. Je peux siffler mon cheval déjà là? Oui. Est-ce qu'on le voit? Non? Allez! Ah, il est derrière moi. Allez. J'ai quelque chose dans mon inventaire en plus. Ça c'est quoi? C'est juste de la viande. Et puis ça, c'est pour l'alchimie artisanale. Et en plus j'ai refusé l'or. Si c'est pas noble. Ok, donc là, on doit retrouver notre vieux pote. Non, on va se faire un ou deux loups, on va essayer. Je me suis peut-être un peu amélioré. Oh là là. Allez, viens là, mon petit war. Ah merde! Est-ce qu'il y a d'autres? Ah non, je l'ai pas fait trop mal. Ah, ça a beaucoup mieux quand même. Oh, il y a des choses à prendre. Non, juste du foie. Des sangles de cuir. Essence élémentaire avec la lune. Je commence à avoir pas mal de choses. Va falloir que je m'intéresse à tout ça. Essence d'eau. Pas mal. Allez, c'est pour Bibi tout ça. Il y a encore quelque chose là. Ok. Oh putain, comme ça, il y a tout qui gicle. Ah oui, alors pour le miel, on s'en souvient, c'est l'igni qu'il faut utiliser. Je me suis brouté. J'ai tout cramé à côté. Voilà. Ensuite, ça tombe et on ramasse. Voilà. Allez. Bien. Voilà. Je sais pas combien ça vaut. Je crois que c'est pas mal de le revendre aussi, le miel. Ah, j'aimerais du suif de chien. Voilà. Merci. Ah bah, on va continuer. Non, là, on peut pas grimper. On est à 400 pas encore. Allez, hop. Je me demande s'il y a des pouvoirs qui diminuent la panique du cheval. Je crois que oui. On arrive. Plus que 250. Il n'y a pas des petits loups à buter par là? Non. Ah, du miel. Non, on va laisser le miel tranquille. On va trouver le vieux Vesemir, ou Vesemir plutôt. Il y a plein de trucs à ramasser là. Bah, je ferai ça offline, on va dire. Enfin, en dehors des enregistrements. Voilà, on est arrivé. Il est encore à l'auberge. Merde. Allez, on rengaine tout ce bazar. Ah, il est dedans encore. En train de picoler. Il y a aussi ces jeux de cartes que je devais faire. Vizima. Ah, oui. J'ai quelques amis là-bas. Alors, il y a un problème? Regarde autour de toi. Ça sent les ennuis. Ouais. Qui sont-ils? Des patriotes. Après 6 ou 7 tournées en l'honneur de Temeria, ils sont d'humeur bagarreuse. Ah, d'accord. Je ne vois pas de Nilgardien.
Dans ce cas, ils trouveront quelqu'un d'autre. Je vais acheter des provisions pour la route. Ensuite, on pourra y aller. Gérald, pour une fois, restons en dehors de tout ça. Je sais pas. Ils sont passés où, les lys ? Je les ai décrochés. Décrochés ? Pour mettre un soleil impérial à la place ? Je ne peux pas afficher les couleurs de la Téméria. Ils brûleraient l'auberge. Alors c'est peut-être vrai ce qu'on raconte ? Que tu fricotes avec les soldats ? Que t'es la pute de Nilfgaard ? Je connais ta peine. Je sais que tu ne penses pas ce que tu dis. Tu connais rien du tout ! Ils ont pendu ma sœur. Ils l'ont traînée hors du cloître comme une chienne. Ils ont dit que Nilfgaard n'avait pas de place pour les superstitieux, qu'il ne craignait pas la colère des dieux. Et toi, tu la crains ? Sans Annie, ton bébé serait mort, étranglé par son cordon. Ton fils doit la vie à ma sœur, t'entends ? Et tu crains pas la colère des dieux ? Tu la crains ? C'est violent ! Salope ! Putain ! Fichez-moi la paix ! Vous voyez ce médaillon ? Vous savez ce que c'est, non ? Reculez. Tout va bien ? Paraît que les sorceleurs enlèvent les enfants. C'est vrai ? Il vous a promis quoi, l'empereur ? De l'or ? Des terres comme aux elfes ? Sortez, tout de suite. On bougera pas d'ici. Et pareil pour vous. Je crois qu'on a plus le choix. Je crois aussi. Alors, on va essayer la télékinésie. Allez ! Ah merde! Oh, je me dis quasiment rien. D'accord. Ça va aller, c'est fini. Me touchez pas! Allez-vous-en! Son regard, les dieux nous protègent. Partez, et ne revenez plus jamais ici. Ah, il fallait pas faire chier non plus, hein. Pour ne pas s'en mêler, c'est raté. Partons d'ici. Ça va faire mauvaise presse, ça. Ce n'est pas nous qui avons déclenché la bagarre. Oh de Dieu. Toujours des excuses. Décidément, ah. Il n'a pas changé. Yen ? Mais comment ? On m'a rapporté la présence d'un sorceleur à Blanchefleur. J'ai tout de suite su que c'était toi. Moi, je suis fringué comme ça, en plus. J'aurais pu attendre que tu me retrouves, mais tu me connais. La patience n'a jamais été mon fort. Je suis contente de te voir, Gérald. Je pourrais même t'étreindre si tu n'étais pas couvert de sang. Désolé. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Pour tout te dire, j'avais imaginé nos retrouvailles autrement. Vraiment ? Et qu'avais-tu imaginé ? Il n'avait pas imaginé te voir escorté par des Nilfgaardiens. Désolé, Yennefer. Je suis content de te voir, moi aussi. Mais je crois que tu nous dois des explications. Et vous en aurez, ne t'en fais pas. Une fois à Vizima. Allez, en selle. Ouais. On pourrait parler ici. Il y a de jolis vergers en fleurs pas loin. Ça masque presque l'odeur des cadavres. C'est tentant. Mais je dois malheureusement décliner. Vois-tu, quelqu'un a demandé à te voir à Vizima. Quelqu'un qui n'aime pas attendre. L'empereur Emir Var Emreis. Ou pour ses proches, la flamme blanche qui danse sur la tombe de ses ennemis. Je ne fais pas vraiment partie de ses proches. La dernière fois que je l'ai vu, il voulait me tuer. Eh bien, aujourd'hui, il voudrait te faire une proposition. Du genre qu'on peut pas refuser, c'est ça ?
On peut, mais j'ai préféré accepter. Allez, on va pas être trop curieux. D'accord, je veux bien l'écouter. L'empereur du Nilfgaard, seigneur de Métina, Ebing et Gemera, souverain de Nazaire et Vicovaro, sera sûrement honoré de l'apprendre. Et toi ? Nos chemins se séparent ici. L'invitation de l'empereur ne me concerne pas. Et puis, je dois rentrer à Kaer Morhen, tu te souviens ? Oui, je me souviens. Merci pour ton aide, Vesemir. À très bientôt. Ton cheval, il est rapide ? Ça peut aller. Pourquoi ? Ne traînons pas. Je me sentirai plus en sécurité derrière d'épaisses murailles. Ok, d'accord. Je ne m'attendais pas à ça. Ça doit quand même irriter à cheval comme ça. J'ai rêvé de toi. Enfin, te connaissant, ça devait être un rêve salace. Au début, oui. Et ensuite. C'est la merde, hein. Ah, GG. Vous voulez faire comment on dit ? Nous parlerons de ça demain, d'accord ? Après l'audience. Dans sa quête de Yennefer, ami et amour d'antan, Geralt arriva au village de Blanchefleur. La magicienne semblait toute proche, mais demeurait mais ça, on le savait déjà. Enfin, avec l'aide d'un commandant voilà. De garnison impériale, Geralt apprit que Yen était en réalité non loin, à Vizima. Tout ça pour ça. Eh ben, il y en a de la cinématique. On va juste se laisser ça. Et puis après, on se dira au revoir. Ça fait déjà, oula, pas loin de 35 minutes. Ah bah c'est Pornac. Putain, c'est quand même assez plaisant. C'est acceptable. Vous pensez vraiment qu'Emir se soucie de ma propreté ? Monsieur est prié de se référer à sa majesté impériale par son titre complet, ou de s'abstenir. Si monsieur veut bien s'asseoir dans la bergère... Dans la quoi ? Dans ce fauteuil. Une bergère ? Edwin, bon. Rasez notre invité. Un demi-pouce de favori, pas plus. On s'en fout. D'accord. Et après, vous allez me faire les ongles aussi ? Si nous en avons le temps. Hélas, les journées sont courtes et la liste des traitements hygiéniques et cosmétiques dont monsieur aurait besoin est trop longue. Relevez la tête, je vous prie, et ne bougez plus.
Alors, comment ça se passe? Il sera prêt pour l'audience? Oui, général. Monsieur sera aussi présentable que possible. C'est qui, lui? Un autre barbier? Non. Je suis Morvran Voris, commandant de la division Alba. Voyez-vous, ce sont mes hommes qui escortaient Yennefer. Dommage. Escortaient, au passé. Aucun d'entre eux n'est rentré à Vizima, voyez-vous. Mais vous savez peut-être ce qui leur est arrivé, sorceleur. Je vous écoute. N'oubliez pas que vous avez un rasoir sous la gorge. Ouais. On va dire ça comme ça. Vos hommes sont morts au combat. C'est le lot des soldats. Leur sort n'a pas l'air de particulièrement vous émouvoir. Ah non. C'est vrai. Tout comme le sort des pauvres bougres qu'ils avaient envahis ne les émouvait pas particulièrement. C'est Nordien. On aura beau vous laver, vous raser et vous habiller, on ne vous apprendra jamais les bonnes manières. Tout le plaisir est pour moi. Voilà. Voulez-vous que je la rase une deuxième fois? Petit bug d'affichage? Non, il est déjà suffisamment à contrepoil comme ça. Adieu, sorceleur. Ou plutôt, à très bientôt. Bien, monsieur peut s'habiller à présent. Je n'ai hélas pas reçu les mesures exactes de monsieur, mais notre tailleur pourra ajuster les habits au besoin. Ouais, exactement. Noir, noir ou noir, c'est ça? À Nilfgaard, nous n'apprécions guère les couleurs criardes. Que monsieur me prévienne quand il aura choisi sa tenue. Bon, ben voilà les gars, au prochain épisode, on choisira une tenue, et puis voilà. Alors, c'était un petit peu long, je pensais que j'aurais pu enchaîner un peu plus vite, mais je m'attendais pas à autant de cinématiques, enfin, c'était très joli, très intéressant, moi, les dialogues, je les trouve particulièrement bien joués, je sais pas ce que vous en pensez, et puis voilà, quoi. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, soirée, ou nuit, on sait jamais, on est sur Internet, et puis à très bientôt, ciao.